Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler du test d'un mini projecteur de chez Vankyo, le Lesure 410W. On va donc en faire le déballage et on va voir comment ce projecteur fonctionne et comment transformer votre salon en une salle de cinéma. C'est parti les amis. Alors quand on sort le projecteur de son carton, on arrive sur une très jolie housse de transport avec une poignée, avec en contrebas marqué Vankyo. On a donc cette petite poignée qui nous permettra de transporter notre mini projecteur partout en vacances. Et ça, c'est vraiment chouette. Alors, on va tout de suite, une fois qu'on aura tout déballé, on aura la prise murale, une prise propriétaire qui va se connecter directement au projecteur, un câble HDMI d'un côté, HDMI de l'autre, et la télécommande avec les différents boutons, play, pause, tous les boutons qui vont vous servir à entrer dans les menus et à gérer le projecteur. Un câble jack RCA pour l'audio. Ensuite, on va retrouver un trépied pour pouvoir installer le projecteur là où on désire. Bien sûr, on va retrouver à l'intérieur de la sacoche toutes les notices qui vont donc nous expliquer comment fonctionne ce mini projecteur. Ici, on aura donc le gros manuel qui, bien sûr, vous trouverez le français en page 18. Donc, aucun souci, tout est expliqué en anglais et en français si vous désirez faire l'acquisition. D'ailleurs, je mettrai tout dans la description. On passe tout de suite donc au projecteur. On voit qu'au niveau de la lentille, un petit cache en caoutchouc la protège sans problème. Sur le dessus de l'appareil, on va pouvoir avoir les mêmes boutons que l'on rencontre sur la télécommande. Un pavé de flèches avec au centre le bouton OK. Et on pourra donc gérer l'intégralité du mini projecteur Vankyo via ces touches sur le dessus. Alors on pourra le brancher par exemple en jack sur des haut-parleurs. On a donc une prise HDMI, on a du VGA, on a de l'USB, on a de la carte SD. On a vraiment pas mal de connexions. En plus de cette connexion, ce mini projecteur, vous allez pouvoir le connecter en Wi-Fi et on va pouvoir s'en servir pour caster notre téléphone ou notre smartphone iOS, Android, sans aucun souci. On va passer tout de suite au paramétrage de l'appareil. C'est parti. Alors, on va parler côté spec. On va donc avoir une résolution de 1080 par 720p en HD haute définition. Et sur le dessus, vous allez retrouver une petite molette pour la netteté lorsque ça sera un peu flou. Alors ce projecteur ne sera pas vocalisé, attention. Alors côté dimension, on sera donc sur du 31 par 21 par 11 de hauteur. Voilà donc plusieurs possibilités de le gérer par sa télécommande ou par les boutons sur le dessus. On pourra faire du Full HD, on pourra faire du cast, du mirroring, c'est-à-dire caster nos tablettes, nos smartphones à partir de ce projecteur et ça c'est vraiment sympathique. Allez, on va tout de suite d'ailleurs le brancher et on va voir les premiers paramétrages de ce projecteur, c'est parti. Attention, les piles ne sont pas fournies dans la télécommande. Au premier allumage du projecteur, on vous demande donc de le mettre en français. On le met tout de suite en français, voilà, c'est fait. Pour une grande partie d'entre vous qui connaissez donc mon état visuel, ce n'est pas moi qui ai paramétré ce projecteur, puisque aucun moyen d'accessibilité. Il va falloir que vous fassiez le nécessaire pour que quelqu'un puisse vous le paramétrer. Comme ici, sur l'écran, on est en train de montrer l'intégralité des paramètres du projecteur. Combien d'écrans est-il pour l'instant? 23. Je le perds un par un depuis ce matin. Mais c'est pas comme on est.
Alors en fait, on va pouvoir aussi caster le smartphone, les tablettes sous iOS et sous Android. Donc reporter notre écran sur ce projecteur grâce à son réseau Wi-Fi. Et on pourra, par ce biais, regarder la télé, Molotov, Netflix. On pourra aller regarder toutes nos émissions sans aucun problème. Ce qui veut dire que vous pouvez vous faire vraiment un petit home cinéma très sympathique grâce aux applications qui sont sur vos smartphones. Vous allez pouvoir vous diriger sans aucun problème sur YouTube et regarder vos émissions à partir de votre projecteur et tout ceci grâce à votre smartphone ou votre tablette. Puisque ici par exemple, on va lancer une vidéo de ma chaîne et vous allez voir que côté vidéo, côté son, ça fonctionne très bien. Cours de développement et pour l'instant, les développeurs n'ont pas encore vraiment utilisé cette possibilité. Actuellement, un seul jeu qui est capable de le faire, c'est FTX 2. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est parfait. Voici web. La favori. Paysage. Clap radio musique. Clap TV vidéo. TV vidéo. De en direct. Clap programme TV. Un espèce. Voici web. National. Que France 2. Affaire conclue. Tout le monde a quelque chose. Voici web. Qui vient de France 2? Qui me vient de mon grand-père en fait, il me l'a offert quand j'étais adolescent. Parce que c'était une période où j'ai mis à porter des petits gilets avec des montres à musée à l'intérieur, mais pas des comme ça évidemment. Elle valait 5 euros. Et un jour, il m'a décidé, voilà, ça m'a vous demandé. Et donc vous la revendez? Voilà donc pour ce petit projecteur, le Mini Vankyo, donc le 410W. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision High Tech. Alors mon petit ressenti, c'est que si vous ne voyez rien vraiment, si vous êtes non-voyant, il n'est pas du tout accessible. Par contre, en étant malvoyant, il y a des possibilités de faire. Après, ce qui est parfait, c'est que l'on peut caster notre tablette ou notre téléphone. Et ça, c'est vraiment sympathique, puisqu'on va pouvoir avoir nos programmes comme Molotov, Netflix, YouTube, que l'on pourra se mettre sans aucun problème à partir de ce mini projecteur. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sur Vision High Tech. Salut à tous !